Putain, je me crois dans Sonic Heroes. Mais non, je suis dans un jeu de merde! Ok, je suis pas drôle, c'est vrai. Ok. Vous vous rendez compte que ça fait environ 1 h 15 que je suis en train de tourner non-stop? Et que je viens déjà de perdre. Mais. Je parlais trop vite. Que je perds déjà mes 2 alliés, mais bon, ils me suivent quand même. Et ça fait vraiment 1 h 15 non-stop que je joue à ce jeu, sérieusement. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai mis mon cerveau sur off. Et en ce moment, je me concentre sur rien. Genre, juste l'impression que je joue à rien. Que je fais rien. Que j'ai aucune idée de ce que je fais. Je suis prêt à dire que je le sais même pas que je suis en train de tourner une vidéo en ce moment. Je me dis qu'en ce moment, je fais rien. Et que je sais même pas où je m'en vais. Bref, c'est génial ce jeu. On joue à rien. On fait rien. Vous voyez, je retourne à ma case de départ et je m'en fous. C'est génial. Je pense qu'il y a le temps des fois que j'arrête de jouer à ce jeu. Un jour. Ah, quelqu'un de moins débile, attention. Attends, Sonic, c'est dangereux. Les robots d'Eggman sont là-bas, je crois qu'ils nous en sont fabriqués. Je me demande ce qu'ils fabriquent, j'ai peur. Oh, c'est l'endroit que je dois aller. Ok, donc faut que je batte les ennemis qui sont putain, en avant de moi. Est-ce que mes alliés m'aident ou ils font juste me regarder? Ok, ils font juste me regarder. Et dire que c'est les robots d'Eggman. Bref, les alliés hors du commun. Une chance qui est vraiment une chance qu'ils sont là. Vraiment une chance qu'ils sont là. Est-ce que c'est fini? Ouais, c'est fini. Et allez, je vais passer. Ok, c'est vrai, faut dire quel résultat. J'avais complètement oublié. Le résultat est très important dans ce jeu parce qu'il faut savoir quel résultat qu'on a fait. Et encore un chargement qui sert strictement à rien parce qu'on veut faire oui dans le niveau. J'adore les chargements. Ouais. Ok, je commence le niveau sur un snowboard. What the fuck ce niveau. Waouh, ça me fait penser à Ice Cap ou à Ice Zone. Je pense à Ice Cap dans Sonic Adventure 1. Mais celui-là, il est juste... Je vais même pas dire le mot parce que vous êtes assez habitué, je pense, rendu à ce point-là que je dis buggé dans n'importe quel truc qui se passe dans le jeu. Genre, je fonce dans un ennemi, c'est buggé. Je fonce dans rien, c'est buggé. Je fonce dans un mur, je bug. J'avance, je recule. Regardez, ça stop. La physique... totalement niqué dans ce jeu. Je tombe dans le vide. Je savais pas. Il y a vraiment rien à comprendre dans ce jeu. Vraiment rien à comprendre dans ce jeu. Je comprends même pas comment qu'on fait pour sauter. Comme aucune logique. Je dis plus rien, sérieusement. Je pense que je pourrais jouer au jeu muet. Arrêter de parler et juste regarder ce qui se passe. Waouh, là j'ai commencé à faire des performances. Waouh, c'était la performance. Oh waouh, frapper l'arbre. Je commence à être... je pense que je vais aller aux Jeux Olympiques. Sérieusement, j'y pense de plus en plus. D'aller... si vous voyez, ça c'est genre le début de Sonic aux Jeux Olympiques quoi. Il se pratiquait à frapper un peu n'importe quoi. Et après il s'est rendu aux Jeux Olympiques avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques d'hiver, lol, parce que c'est pas l'été qu'on fait du snow. C'est trop rigolo. Oh, en plus, il y a des checkpoints. Waouh. Il y a des boules de neige. Oh, ça se comprend. Oh, j'ai pris une médaille. Oh, sans savoir. Ah merde, il y a des pics qui me disent de pas aller par là. Alors, je vais juste arrêter avec la. Ok, là, il faut. Le changement de caméra qui fait totalement chier. Sérieusement, ce changement de caméra que je vais jamais comprendre. Je vais jamais comprendre. Je peux aller en ligne droite, je sais même pas où je m'en vais. C'est pas si grave. Parce que l'important c'est d'aller en ligne droite. Là, je pense que j'ai réussi le son. Ouais, je crois que j'ai réussi. Waouh, j'ai réussi le niveau. Ok, c'est pas fini, je pensais que ça l'était. Je pensais être sorti de... Il fait très froid dans cette base, mais on s'en branle.
Les dialogues qui servent à rien. Ouais. Ok. Je finis ce niveau et après j'arrête ce tournage parce que je pense que sinon je vais péter un câble. Je vais sérieusement péter un câble fois 1000. Putain, ça se contrôle pas ça. Je vais péter un câble. Ça passe à câble TV. Mais ça peut. Ça prend tout pour briser un mur. Ça prend tout pour contourner des ennemis. Je pense qu'il faut que j'élimine les ennemis ou je continue. Il doit avoir un bouton quelque part. Cherchons le bouton. Le bouton. Le bouton. Où t'es caché tu bouton. Où t'es bouton. Là on peut monter en haut de ce truc. Ok. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'essaye plus de comprendre ce qui se passe dans ce jeu. Je pense vraiment, c'est genre, c'est vraiment Sonic 2006. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu fermes ton cerveau et que tu te dis tout est normal. C'est le genre de truc que c'est genre, c'est normal dans Sonic 2006. Ouais. Nouveau slogan, trop cool. Ouais, sympa. Sonic, je t'aime bien. Bref. Faut que je trouve la Switch. Quelle Switch? Pas de Switch ici? Peut-être là. Non, même pas. Ok, je dois vraiment éliminer tous les ennemis ou c'est juste pour faire beau? Je sais pas. Attends, je vais vraiment me concentrer à éliminer les ennemis parce que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ou c'était même, peut-être même pas ça. Je sais pas, là il va peut-être activer un truc avec d'autres ennemis. Ici. Le bouton est peut-être juste ici. C'était totalement débile comme ça. Ouais. Ok, donc j'ai bien compris. Donc il faut pas. Les ennemis, ça sert à rien dans ce jeu. Faut juste continuer d'avancer. Non, mais. Non, Tails, non, s'il te plaît. J'avais. Tails, non. J'étais bien avec Sonic. Tu me fais chier là, arriver de nulle part. À mettre ta loi, imposer ta loi. T'es pas contrôlable. C'est comme, il y a une limite entre, t'es pas rapide quand tu voles. Regardez, il est hyper pas rapide, mais quand il vole, il est hyper incontrôlable. C'est genre un mélange entre les deux, c'est totalement mal fait. Ok, puis là je peux pas prendre Sonic, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus simple d'éliminer les ennemis, mais non, faut que je me tape Tails quoi. Je me tape le mec de service. Oh, ok, quand il vole, il peut en lancer plusieurs. Ah, ça c'est nice. Ah, ça c'est nice à savoir. Ça c'est une bonne chose, parce que quand il vole, il en lance partout. Ok, donc en gros, faut que je vole avec lui. Je comprends mieux. Je comprends mieux la vie. Je comprends mieux comment jouer à ce jeu. Ouais. C'est pas. Bim, 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 bim. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Faut que tu voles le plus haut possible et après tu laisses tout tomber. T'as aucune idée ce que tu fais, mais tu le fais bien. Je comprends rien ce qui se passe. Je comprends rien. C'est génial comment je ne comprends rien de ce qui se passe. Laisse tomber des bombes. Traverse de l'autre côté. Laisse tomber des bombes. Traverse de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, rien. Laisse tomber des bombes et casse-toi d'ici. Laisse tomber des bombes et casse-toi d'ici. Ouais. Ok, mais le jeu il rame tellement mais pour aucune raison. C'est juste épique comment je peux faire bugger le jeu en 2 secondes en faisant n'importe quoi. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je vais continuer seul. Ouais, c'est ça, casse-toi Tails, ça arrive. C'est ça en français qui voulait dire Sonic. Mais elle a dit gentil, gentillesse, gentil. Oh, j'ai passé par-dessus. Waouh. J'ai hack le jeu. J'ai plus hack le jeu. J'en peux plus. Attendez, je vais essayer de re-hack le jeu. Attention, vous êtes prêts. Je vais hack le jeu. Je vais hack le jeu. Regardez. Et j'ai hack le jeu. Non, c'est pas vrai. J'ai hack le jeu. C'est pas pareil. Ah, il y avait une pièce. Le mec qui fait jeu à 100%, il y a un problème dans la tête.
Je dis ça vraiment en mode posé, mais c'est totalement vrai. Le mec qui fait jeu à 100%, il a un certain problème de personnalité, de problème mental mélangé à je ne sais pas quoi. Mélanger tous ces problèmes ensemble. Non mais le jeu il est hyper bizarre, genre je peux aller à des endroits que j'ai aucune idée comment que j'ai fait. Tu regardes, je vais pouvoir aller là-bas si je prends bien mon saut. Voilà, je peux passer comme ça sans que ça soit fait. Juste l'impression que le jeu il est hyper bâclé. Je pense que c'est pas juste une impression, c'est vraiment ça. Genre juste l'impression qu'ils se sont pas méga forcés à faire le jeu. Ils se sont dit on va faire un jeu, les gens vont acheter puisque c'est Sonic. Et voilà, on est content. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et c'est triste quand même, puisque c'était bien Sonic. Jusqu'à temps que ce jeu soit sorti. Triste quand même, triste, tristesse. J'ai envie de vraiment pleurer. Oh, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire. Là, je pensais que c'était par là. Et je pense que ouais, c'était par là. Ouais! Enfin fini. Délivrance. Délivrance suprême. You're late. Well, we had to deal with your little pets. Where's Elise? My, aren't we impatient? Sonic! You better not move. Now. The Chaos Emerald. Place it there. For you to overcome. Now, allow me to introduce you to my latest creation. This is the Solaris prototype. With this machine, you'll be able to control the flow of time itself. Rest assured, they're not dead yet. They've just been teleported by my glorious invention to another time. Who knows where they'll end up? It could be in the distant past or far future. But my machine still requires some fine-tuning. In fact, what my machine needs in order to be complete is your power. My power? Yes, I can finally complete my plans now that I have the Chaos Emeralds and you, the Princess of Soliana. That's all I need to revive the flames of disaster. And with its power, I will be able to control everything and rule the world. So, you would be wise to remain on my good side. Dizzy. Where are we? Oh, look who's here. I didn't expect to see you guys. Rouge! Shadow! Hi. Long time no see. Hmm.
This is the distant future, far removed from our own timeline. The future? Then that means Eggman's machine can control time! Eggman's got some nerve dropping us here. Now, how can we get back to our own time? You need a space-time rift, but this requires a lot of energy. I see. You mean using your chaos control will... Yes, but that alone is insufficient. Okay, Shadow. It looks like we need to work together.